Opération organisation qui proche président Jovenel yo lancé journée jeudi à la capitale là yo lancé un appel bay militaire démobilisé pour bay sécurité dans pays a particulièrement journée 17 octobre là côté opposition prévoit faire un pile désordre d'après ça dit explication Rosemont Jean dans micro Johnny Ferdinand. Pour utiliser Haïti comme un espace pour faire communauté internationale là prendre nous comme un arrière de cour comme la cour comme un corridor comme un espace côté jeter déchets et bien pour nous-mêmes c'est grave son scandale et nous dénoncer ensuite Moïse Jean-Charles Maryse Nassis mettez avec maître André Michel et autres qui pour que je me reconnaître que la politique leur a fait l'imando la sagesse. Le fait qu'il n'y ait pas rien comme activité pour faire, eh bien, il y a pour payer en otage. Nous demandons pour militaires de mettre en civil dans la rue. De 16 octobre à 17 octobre, c'est pour tous les militaires qui ont aidé le président Jovenel. Parce que Jovenel voulait. Haïti voulait un monde qui a un bras de fer qui pour gérer le pays. 17 octobre. Depuis ce n'est qu'à venir dans la manifestation, c'est pour la police fouiller pour essayer de 4 identifications nationales sur eux. Et tout ça paye 4 identifications nationales pour sur yo dans quartier populaire côté a sorti pour vinn craser bagay moun vinn voler vinn craser vite machine vinn piller vinn mettre caoutchouc mettre barricade nous pas dit yo pas droit manifester mais faut que yo gen 4 électorales sur yo et demander pour la police fouiller yo parce que trois canek k'ap fait des autres dans manifestation yo pas gen 4 électorales ou pas ka identifier yo et c'est ça que fait y a dit c'est des citoyens que yo arrêté qui pas gagner pour eux nous mandé militaire. Depuis au barré à nez, cap craser vite machine, cap piller, cap voler, arrêtez mounio, ou mettre au la police. 17 octobre, la rue en a menou. De 15-16 octobre, la rue en a menou pour que nous permettre, nous mettez l'ordre à des ordres. Nous dit, tout nez cap d'une manifester, cap saut dans quartier ghetto, cap vin faire zak malhonnête yo, yo supposé accompagner des cartes électorales et de pour pas gagne carte électorale, la police a pas arrêté. Quel que soit dans quartier côté sorti, de pour pas gagne carte électorale sous, la police a pas arrêté. Sous qu'on pas gagne carte, sous qu'on pas gagne carte, pas prendre la. Parce que de pour prendre la, c'est carte électorale, la police militaire yo gagne mandat, gagne mission pour arrêter nous, remettre nous par la police jusqu'à ce qu'on a fait carte électorale. Nous dit nous-mêmes, bon côté pas nous, force réserve, moi-même en tant que conseiller politique, force réserve, en tant que coordonnateur qu'on a sauvé, nous demandons tout militant dans tout quartier populaire qui t'a accompagné président Martelly, qui sorti de Martelly, à Jovenel Moïse, nous demandons de prendre responsabilité, ou, pacifiquement, gérer quartier, afin de mettre barricade, de tirer dans quartier, de mettre barricade, de mettre troupes. Prend responsabilité ou moun sa yo prend yo remet yo by la police pacifiquement sans violence a fait machine a brûlé by kadap mette magasin a cassé y a fouillé machine prend radio machine cassé pour petit machine cassé pour moun k'ap vend téléphone dans la rue nous vle pour ça fini c'est pour tout militant qui dans ghetto qui dans base yo. Nous prenons responsabilité, nous, parce que c'est tout bon président Jovenel Moïse voulait mener le pays à un côté. On débute la circonscription en balayant à Belle des Collines, félicité démarche chef l'État hein, qui décide de rencontrer avec parti politique. Yo. Ce bada député estimé fort chef l'État discuter avec le principal du genre politique yo, parmi yo, Maurice Jean-Charles, Jude Célestin avec famille Avalas. C'est un moyen pour joindre en tant en différents secteurs, yo, selon député à Belle des Collines qui était dans le micro Winchel Adrien. Que le président de la République, Jovenel Moïse, invité dans le palais national de leader politique pour discuter sous mise en application loi sous financement parti politique est une bonne chose. Nous féliciter et saluer l'initiative président de la République, là, car les questions de un texte législatif pour permettre que partis politiques soient institutionnalisés dans le pays. Cependant, il faut éviter la confusion et l'amalgame. Ce qui est en train de se passer au Palais National en deux fois côté président rencontré les deux partis politiques, personne pas capable d'inscrire dans le cadre un processus de dialogue. Dans le contexte sociopolitique que le pays trouve actuellement, le dialogue attendu, le dialogue qui pour permettre que le pays n'a pas sombré dans l'instabilité, c'est pas dialogue ça que n'a assiste. Que vous
soyez pour, que vous soyez contre, moi crois que conjoncture mandé dans l'éventualité d'un dialogue politique pour que dialogue ça d'abord yo adressé yo avec les vrais acteurs. Abel Décolline n'a pas voté Moïse Jean-Charles aux élections présidentielles. Cependant, Moïse Jean-Charles finit troisième dans l'élection présidentielle avec des centaines de milliers de voix. Je n'ai pas voté Jude Célestin aux élections présidentielles. Mais il faut reconnaître que le candidat Jude Célestin lui finit en deuxième position dans l'élection présidentielle avec des centaines de milliers de voix. Abel Décolline n'a pas voté Maryse Narcisse de Fomy Lavalas lors des élections présidentielles. Mais personne n'est pas capable d'ignorer que Maryse Narcisse de Fomy Lavalas finit quatrième avec des centaines de milliers de voix. Donc, ce qui est en train de se passer à travers manifestations dans la rue, en pile dans manifestants, reconnaît-yo dans Moïse Jean-Charles, yo reconnaît-yo dans Jude Célestin, yo reconnaît-yo dans Maryse Narcisse. Donc, pour qu'il y ait de stabilité politique, président de la République, là, l'idoué dans le cadre d'un processus de dialogue, fait œuvre qui vaille pour permettre à ce que les acteurs qui représentaient sur la scène politique, bien entendu, tout l'autre acteur important, mais en matière électorale, nous croyons, il va de soi que si doit gagner un dialogue, c'est parti antagonique qui susceptible pour permettre que gagner un environnement propice, un environnement qui apaisé. Nous prenons par l'élection ambassadeur Juan Raoul Ferreira, ancien chef mission observation électorale OEA en Haïti, présenté un rapport sur l'élection pour poste président, sénateur, député, magistrat, et élu local dans tout pays, qui était fait 20 novembre 2016 avec 29 janvier 2017 passé. Mission ça qui était gagné 28 observateurs qui sortit dans 12 pays, qui bénéficiait de support technique et technologique, une équipe expert qui a suivi tout déroulement élection ça depuis dans la campagne Patrice Salomon. Dossier élection dans le pays d'Haïti, c'est à quoi fête Noël. C'est chaque fois période de l'arrivée, moun parler de ça. Il y a un exercice ici qui toujours bénéficie si pas communauté internationale là, et spécialement dans le domaine logistique, technique et économique. Malgré ensemble disposition sécurité présence la police et en pile fois l'autre force étrangère, processus élection en Haïti pas jamais déroulé sans diverses irrégularités. En pile secteur qu'on même parler des fraudes. Pour ça, estricti local et international dans l'observation électorale, toujours déployé par pile, par paquet, tout partout dans le pays, en dambio votio, pour voyager sous journée électorale là. C'est quand un organisme dans la commission observation électorale, organisation État américain, qui présentait rapport observation dans le cadre des dernières élections qui fêtent dans le pays, dans date 20 novembre 2016 et 29 janvier 2017. Un estricti qui était déjà porté concours dans l'élection contestée qui était faite dans l'année 2015. Yo. Mission ça qui était déployée dans tout le pays, était présent dans un total 487 bureaux votes sur tout territoire national là. Si d'après observateur, personnel électoral là, t'es respecté les ouvertures bureaux votes yo. Toutefois, l'angle indélébile qui t'est servi pour journée, pas arrivé à l'air. Pour mission observation OEA, pendant dernière élection yo, une plus grosse difficulté électorale où t'es joint, c'était arrivé localiser bureau côté à voter. Une situation qui était la cause, en pile t'y dit fait voler dans espace sans vote yo. Toujours selon mission observation OEA, KEPA malgré le t'est déterminé quantité mandataire yo et puis fixé côté pour yo voter, aucun d'un principe ça yo pas arrivé respecté. Mission ça qui était composé à 130 observateurs ak expert femme tant que garçon qui sorti dans 24 pays différents te gaillé dans 10 départements pays ya depuis pour ouverti bureau vote yo jouk rivé dans des comptes là yon manière d'après responsable mission ça pour garantir crédibilité vote là.